Yo les gens, c'est Galonok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un glitch sur GTA 5 qui consiste à rentrer dans une autre banque. Donc cette fois-ci elle est tout au nord de la map, donc un screenshot apparaît sous vos yeux. Donc pour ce faire vous allez avoir besoin d'une voiture, vous mettre parallèlement à la banque et reculer et sortir de la voiture afin que ça vous éjecte. Vous allez soit réussir du premier coup, soit être entre la fenêtre et le fauteuil. Il faudra appuyer X sur Xbox ou carré sur PS3 il me semble, afin de passer au-dessus. Donc c'est assez galère, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est assez facile. Et donc voilà, donc maintenant vous êtes dans la banque, donc là il y a des choses un peu plus intéressantes que l'ancienne banque que je vous avais montré. Donc tout d'abord il y a comme un petit coffre-fort qui est déjà ouvert en plus. Et puis bon, allez savoir, il y a une mallette avec quelque chose dedans, donc soit c'est quelque chose que je ne connais pas, soit j'ai... Enfin voilà quoi, on se demande ce que ça fait là. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou un petit commentaire. Donc je vais continuer comme ça à enchaîner les petits glitches. Donc je précise aussi que la vidéo n'est pas de moi, je l'ai trouvée, ça vient d'un anglais ou d'un américain, je ne sais pas, enfin voilà. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis ciao tout le monde.